Yo tout le monde, c'est Donc aujourd'hui je vous fais un nouvel épisode d'un nouveau jeu, c'est One Piece Unlimited World Raid sur Wii U, un petit RPG que j'ai plutôt bien kiffé, j'ai déjà fini une fois donc je vais le refaire une deuxième fois en recommençant du début en mode difficile, on va voir ce que ça donne. Ça risque d'être plutôt pas mal, enfin moi je kiffe quoi. Allez allez, maintenant on passe au gameplay. Bon allez, c'est parti! Donc j'ai eu un petit bug avec la vidéo, j'en ai tourné une avant celle-là. Et ça a bugué, donc voilà. Je suis obligé de vous refaire une autre vidéo. Donc vous aurez raté l'épisode 1, le début du jeu. J'ai fait quoi? J'ai défoncé un boss dragon. Et puis un autre boss, Baggy, si jamais vous connaissez, ceux qui regardent la série. Ok, d'accord, je me réveille pas là. D'accord. Donc Baggy, ouais, voilà. C'est un petit clown qui envoie des boules à distance. Donc si jamais vous connaissez pas ce jeu, c'est One Piece. Ceux qui connaissent le manga, je pense qu'ils vont très bien apprécier le jeu. Après, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est un RPG beat'em all. Plutôt, moi je l'ai kiffé avec des graphismes propres au manga, graphismes manga kawaii. Moi je trouve ça très joli. Après chacun ses goûts. Il y a plein de matériaux à ramasser dans les niveaux. Ah bah j'ai déjà ouvert ce coffre, d'accord. Donc voilà, il y a plein de matériaux à ramasser dans les niveaux pour les utiliser dans la ville. Dans la ville, il y a énormément de choses à faire. Oh putain, encore un boss. Hein, qu'est-ce que c'était? Shuro, te voilà enfin. Le plus grand scientifique du monde va te... Voleur de viande! Oula, il est beau lui. Oh. Toujours aussi impulsif, sale monstre de caoutchouc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de viande? Tu devrais plutôt te préoccuper du sort de tes amis, non? Oh, t'as raison. Alors c'est toi qui les as enlevés? Il est pas mort, t'inquiète pas. Il va revenir. Waouh, c'est beau la neige. Mignon. Oh, il est mignon. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? C'est un RPG beat'em all. One Piece. Si jamais il y en a qui connaissent pas le jeu, voilà. Dans la ville, il y a vraiment énormément de choses à faire. Là, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous équipez des mots d'aptitude. C'est des boosts que vous avez... Non, ça, c'est du stuff que vous équipez sur vos persos, PV max, tout ça, voilà, du stuff. Les mots d'objets, c'est des trucs que vous trouvez. C'est des boosts que vous utilisez en cours de partie, en bas à droite, en utilisant là, les petites flèches, et hop, vous utilisez vos boosts. Voilà. Je vous ai un peu expliqué les bases du jeu. Là, mon petit mec avec moi. Le petit mec qui est avec moi là, il me rend de la vie. Voilà, le petit mec rose, quand j'appuie sur R, il me rend de la vie. Voilà, donc c'est un peu impossible à mourir. Là, le jeu, je vous le refais en mode difficile. En mode facile, c'était vraiment très simple. Là, en mode difficile, on va voir ce que ça va donner. Le jeu, je l'ai fini en 19 h. Mais bon, vu qu'il y a énormément de choses à faire, de quêtes optionnelles, si je veux le finir à 100%, il me faudra bien plus de temps. Là, c'est des attaques spéciales. Vous appuyez sur R, la gâchette en haut à droite. Ok, je l'ai raté déjà. R plus. Bah, plus un autre. Voilà. Il y en a 4. Il y a R plus B, Y, X, A. Vous voyez, quand j'attaque en bas à gauche, ben, mes barres elles augmentent. Donc voilà, plus vous faites de combos. Regardez en bas à droite, il y a Y, Y, Y. Si vous faites les combos précis, ça vous augmente vos barres plus rapidement. Et puis après, vous pouvez faire des attaques spéciales pour défoncer les boss, quoi. Comme ça. Hop. Et là, regardez sa vie. Bah, je l'ai raté encore une fois. C'est pas grave, je fais que de le rater H24. De toute façon, je m'en fous, je peux perdre de la vie vu qu'il y a le petit bonhomme là, violet. Il me redonne tout le temps toute ma vie. Puis voilà, quoi, tranquille. Après, il y a des missions, vous pouvez les faire en coop. Je crois que c'est que des quêtes optionnelles, on peut pas toutes les faire, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qu'on peut faire en coop. Donc si jamais vous voulez jouer avec un ami, c'est plutôt... c'est pas mal quoi.
Ok, bah soigne-moi au lieu de parler. Oh putain, ça fait mal. Allez, bouge, bouge. Oh putain, je suis mort. Les amis, moi qui pensais que j'étais invincible. Oh putain, le fail. Termine quelques quêtes, les quêtes te permettront d'avoir des mots, choisir une sauvegarde, nanana, ok d'accord, ouais, au pire tu peux faire des quêtes pour XP tes persos, gagner des mots et tout ça quoi. D'accord. Non mais moi je suis un bourrin, je le fais à la bourrin. Ok, je dois revenir en partant d'ici. Elle est pas mal celle-là, heureusement que les monstres reviennent pas. Putain, en tout cas la vidéo que j'avais fait avant, j'avais vraiment géré comme un poney quoi. C'est dommage, c'est dommage. J'avais très bien géré, et puis là je vous fais une vidéo de merde où je me fais défoncer par un boss. Putain. Ah, tant pis, hein. On peut pas toujours tout faire parfaitement. Donc cette fois je vais le défoncer. En essayant de ne pas mourir comme une merde. Alors. Là je l'attaque, ok. Allez, moi je vais le défoncer, je vais le défoncer, c'est obligé. Si jamais vous connaissez la technique pour le niquer, moi je suis preneur, hein. Parce que là, il commence à me casser les couilles. Ok, en gros, faut sauter, attaquer, puis après, on esquive son attaque. D'accord, ok. D'accord. Après, il y a des autres persos disponibles. Hein. Normalement, vous jouez avec trois persos en même temps. Ouais, normalement, vous jouez avec trois persos en même temps. Hein. Et puis, vous pouvez les changer en cours de route quand vous voulez. Donc, voilà. Genre s'il y a un perso qui a ses techniques à fond, vous le prenez, après vous prenez un autre, ainsi de suite. Au moins ça permet d'avoir un gameplay différent avec chaque perso. Donc c'est plutôt... Moi j'adore ça. Moi franchement ce jeu... Attendez. Ok, il fait son bonbon de merde. C'est quoi ce bonbon de merde? Attendez. Oh putain. Non mais lui j'arrive pas à l'attaquer avec mes attaques spéciales. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Soigne-moi, soigne-moi. J'ai pas envie de mourir comme tout à l'heure, comme une merde avec son poison là, c'est clair. Allez, on se casse, on se casse. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Allez là! Allez, soigne-moi, soigne-moi. Enfin, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Mais tout à l'heure, voilà quoi, j'étais pas concentré, je vous parlais et tout. Bon, allez. Allez, là. Putain, franchement, quand il a plus de vie, il commence vraiment à devenir chiant. Hein. Oh putain, là, c'est là qu'il faut que l'attaque. Vous avez vu sa vie, comme elle est descendue? Pourtant, c'est en mode difficile. Hein. Pourtant, c'est en mode difficile, c'est ça le truc. Allez, soigne-moi, soigne-moi. Oh putain, il est là, il est là. Putain, allez, faut l'attaquer là. Qu'est-ce que tu fais? Cours, 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 il court, il court. Il court le furet du bois berger. Allez, il va crever, il va crever. Oh putain. Il est mort, il est mort. Allez, tue-le. Bo, bo, bo. C'est qui le meilleur? C'est qui? C'est Touchy. Ah bah, j'ai défoncé, pète sa mère. Ah, il est mignon. T'es mignon, t'as avec ta bouche qui explose. Chapeau de paille, attends. Je peux t'aider, tes amis. Je sais où ils sont. Hé, hey, Luffy, je les ai trouvés. J'ai trouvé son roi Franky. Quoi? On dirait que j'ai plus besoin de toi. Attends, pitié. J'ai plein d'autres informations à te donner. Allez, défonce-le, Luffy. Oh putain, il cherche ses gros points, là. Gum, gum, Grizzly Magnum. Oh... Je l'ai défoncé. Hé, hey, Luffy, par ici. Et voilà nos deux amis, ils sont mignons. Ah, j'ai bien dormi, hein. Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, on dirait que je me suis assoupi, moi aussi. Ah, vous savez que vous avez été enlevé, au moins? Enlevé? De quoi tu parles? On est retourné au bateau, on a mangé, et on a eu envie de faire une petite sieste, c'est tout. Mais... où est-ce qu'on est? Enlevé aussi, je viens de te le dire. Où sont les autres? Enlevé aussi, je viens de te le dire. Luffy, tu n'es pas très clair, laisse-moi leur expliquer. D'accord. Quoi?
On doit absolument les sauver, qu'est-ce qu'on attend? Alors, ils se sont laissés surprendre par l'ennemi? Il faut vraiment être débile. Débile, et toi alors? T'as été enlevé aussi, je te rappelle. Quoi? Oh là là, ces trois lames sont vraiment pas très malins. Bon, on a fini l'épisode 1. Ok, d'accord. Argent 8000, points pirates. Points pirates, c'est pour débloquer les quêtes, je crois. Plus vous aurez de points pirates, plus vous aurez de quêtes. Ah, regardez, ça, c'est les matériaux que j'ai ramassés. Tout ramassé, voilà. Avec les matériaux, on crée des trucs dans la ville. Donc, plutôt pas mal. Oh, d'accord. En plus, tu ramasses des trucs et après, ils t'en redonnent encore. D'accord. Donc là, ils te demandent de sauvegarder. Bon, bah, on va arrêter là. Hein. Hop. Bon, voilà. On arrête cette vidéo là-dessus. Donc, je vous aurai montré quoi? Un petit combat contre 2-3 monstres. Un combat contre des boss. Je vous ai montré qu'un niveau. Le niveau d'avant, il était plutôt pas mal, mais la vidéo a bugué. Donc, voilà. Bah, je vous montrerai du level design et des environnements dans le prochain épisode, ça c'est clair, net et précis, je vais pas buguer. Et puis si jamais vous voulez des explications sur les modes objets, tout ça, plus de précision sur les équipements, comment se passe le jeu, comment se passe la ville, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la ville, il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire une vidéo où je vous explique tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous voulez plus de précision sur le jeu, il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste que je vous montre que le gameplay, ben je vous le ferai. Enfin voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, la vidéo d'avant a bugué, ça m'a bien fait chier, mais c'est pas grave. Alors, si la vidéo vous a plu, petit pouce, comme d'habitude, ah bah oui, petit commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir mes vidéos dès qu'elles sortent, enfin voilà, vous savez comment ça marche. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, c'était... Touchy.